Ma conférence était une invitation à la réflexion sur le caractère éthique ou pas de l'aide internationale publique. J'ai voulu engager un réel dialogue, trop souvent négligé dans les pays d'Afrique, directement avec la population concernée. Et je me suis employé à démontrer aux Ivoiriens que l'aide internationale publique ne repose pas sur l'altruisme. Elle n'est pas un cadeau des pays européens, elle n'est pas un cadeau des États-Unis, elle n'est pas un cadeau de toutes les structures mondiales visant dans une sorte de désintéressement moral, de solidarité, qui viserait hypothétiquement à aider les populations concernées. L'aide internationale, quand on l'analyse de manière un peu fine, au-delà des grands discours politiques, eh bien on s'aperçoit que cette aide n'a rien de moral, voire même que cette aide n'a rien d'utile. Quand on constate de manière fine à quel point elle dérègle les mécanismes fondamentaux de l'économie des pays d'Afrique, quand on constate à quel point elle est une marque d'ingérence politique qui met les systèmes normatifs ivoiriens notamment sous une ingérence permanente étatique, eh bien on est appelé à se demander ce qu'il resterait d'éthique là-dedans, ce qui resterait comme considération morale dans ce système-là. Et c'est là vraiment ce que j'ai souhaité échanger avec les étudiants, leur dire qu'un pays qui explique qu'il va donner de très fortes sommes à l'Afrique ne le fait jamais de manière désintéressée. D'une part, ce n'est pas son argent, et dans une lecture de l'encyclique Rerum Novarum, j'ai souhaité rappeler que l'altruisme, que la solidarité ne peut exister qu'entre deux personnes réelles, deux personnes qui se sentant unies par un lien qui dépasse leurs divergences, qui dépasse leurs différences, vont décider de se soutenir. Que l'aide ne peut pas être une démarche altruiste, que l'aide n'a pas à remplacer les solidarités privées, voire même que l'aide internationale, et c'était là la fin de mon propos, que l'aide internationale va dégrader ce qu'est l'essence même de l'homme et ce qu'est l'essence même de la solidarité spontanée entre des individus libres. Et à la fin, j'ai souhaité encourager les étudiants à réfléchir par eux-mêmes. Depuis presque 30 ans, les pays du monde et les structures internationales déversent sur la Côte d'Ivoire des sommes extraordinaires d'aide. Or, le pays est aujourd'hui dans un marasme économique et politique terrible que les phases hypothétiques de libéralisation ne solutionneront pas, puisque la Côte d'Ivoire, si on peut éventuellement lire qu'elle est un pays libéral, n'a ni une garantie des biens, ni une garantie des libertés, ni une garantie d'une économie libre. Eh bien, l'aide internationale vaut au moins aussi cher que cette étiquette de libéralisme qu'on nous vend à tour de bras. Concrètement, elle est nuisible et inutile et ne repose absolument sur rien. J'ai donc souhaité encourager les étudiants à dépasser les étiquettes, à dépasser les présentations, la main sur le cœur d'hommes politiques, et à retourner sur le terrain, à voir que l'aide internationale, concrètement, n'a rien apporté si ce n'est de la misère, que l'aide internationale n'a rien apporté si ce n'est des conflits divers, des conflits de chefs qui veulent se servir de cet argent pour alimenter la corruption. C'était là la teneur de mon propos.